Bonjour, l'objet de cette leçon est d'expliquer quelles sont les différentes possibilités qui s'offrent au tireur d'une lettre de change une fois qu'il a en sa possession le document accepté par le tiré. Si l'entreprise n'a pas besoin immédiatement de trésorerie, le tireur peut attendre l'échéance pour effectuer ce que l'on appelle une remise à l'encaissement. Chronologiquement, l'opération se déroule ainsi. Tout d'abord, le tireur émet la lettre de change, puis l'envoie, souvent en même temps que la facture, au tiré. Celui-ci, dans un deuxième temps, la complète et l'accepte. Il la renvoie ensuite au tireur. Dans un troisième temps, quelques jours avant la date d'échéance, le tireur apporte la lettre de change à sa banque pour l'encaisser. Il remet alors un bordereau de remise à l'encaissement. Dans un quatrième temps, la banque du tireur, par l'intermédiaire d'une chambre de compensation, informe la banque du tiré que des lettres de change arrivent à échéance. La banque du tiré peut alors avertir son client en lui envoyant un avis de domiciliation qui l'informe des effets arrivant à échéance. Dans un cinquième temps, le tiré vérifie l'avis de domiciliation qu'il a reçu et le signe, reconnaissant ainsi l'exactitude de l'information. Enfin, dans un sixième temps, à l'échéance, la chambre de compensation réalise le transfert des fonds entre le compte en banque du tiré et celui du tireur. Chacune des banques informe son client de l'opération. La banque du tireur en lui envoyant un avis de crédit et la banque du tiré en lui envoyant un avis de débit. Pour cette opération, le montant qui sera porté sur le compte du tireur sera égal au montant nominal de la lettre de change moins les commissions TTC facturées par la banque. Ces commissions TTC constituent ce que l'on appelle les agios. Illustrons cette situation par l'exemple suivant. Le 23 mai de l'année N, l'entreprise Forêt-Noire apporte la lettre de change de son client Mobibois à l'encaissement. Elle reçoit le 1er juin N l'avis de crédit de sa banque ci-dessous. Donc sur l'avis de crédit figure le nominal de la lettre de change, sa date d'échéance, le montant des commissions hors taxes et de la TVA facturées par la banque et le montant net de la remise. Le montant net, comme nous l'avons calculé au-dessus, est égal au montant nominal moins la commission hors taxes moins la TVA. De son côté, Mobibois, donc le client, reçoit le 2 juin l'avis de débit ci-dessous, eh bien lui sera débité du montant nominal de la lettre de change, à savoir 3 406 euros. Enregistrons ces opérations successivement dans la comptabilité du tireur, puis dans celle du tiré. Commençons par la comptabilité du tireur. Le fournisseur Forêt-Noire dispose avant ses opérations d'une créance sur son client Mobibois qui, au moment de l'acceptation de la lettre de change, a été enregistrée au débit du compte 413 client effet à recevoir. Le jour où il remet les faits à l'encaissement, il va solder ce compte en le reportant au crédit et le remplacer par le compte 5113 effet à l'encaissement dans l'attente de la réception de l'avis de crédit de sa banque. Lorsque l'avis de crédit est reçu,
dans notre exemple le 1er juin, c'est ce nouveau compte 5113 qui sera soldé. Il sera remplacé au débit par la constatation d'un flux monétaire d'entrée comptant qui correspond aux 3384,47 € correspondant au net de la remise. La différence entre le net de la remise et le nominal représentant le montant de la commission et de la TVA. La commission rémunère le service que nous a rendu la banque en traitant l'opération, par conséquent c'est un compte de classe 6, en l'occurrence 627 services bancaires. Ce compte enregistre le montant hors taxe. La TVA pour le fournisseur est déductible et s'enregistre donc dans le compte 44566 TVA sur autres biens et services. Si l'on enregistre maintenant l'opération chez le tiret Mobibois, Mobibois va enregistrer l'avis de débit que lui a envoyé sa banque. Préalablement à cette opération, la comptabilité du tiret avait enregistré une dette sur son fournisseur dans le compte 403 fournisseurs effets à payer. C'est ce compte qui va être soldé et donc reporté au débit pour être remplacé au crédit par la constatation d'un flux monétaire de sortie dans le compte 512 banques. Nous constatons ainsi la sortie de trésorerie pour le montant nominal de la lettre de change. Nous pouvons donc retenir que lors de la remise à l'encaissement d'un effet de commerce, la créance du tireur passera successivement dans les comptes 411 clients, puis 413 clients effets à recevoir, puis 5113 effets à l'encaissement, puis enfin 512 banques sous déduction des commissions TTC. Chez le client, la dette passera successivement dans le compte 401 fournisseurs, puis 403 fournisseurs effets à payer, puis 512 banques pour le montant nominal de la lettre de change. Si l'entreprise a un besoin de trésorerie avant l'échéance prévue, elle pourra négocier l'effet de commerce auprès de sa banque. On dit alors qu'elle effectue une remise à l'escompte. Chronologiquement, l'opération se déroule de la même manière que dans le cas de la remise à l'encaissement. Simplement, cette fois-ci, la banque prêtera la somme d'argent à son client et sera remboursée quand le client paiera à l'échéance convenue. En effet, rien ne change pour le tirer qui, lui, ne sait même pas si le tireur attend ou non l'échéance pour recouvrer sa créance. Dans cette hypothèse, le montant qui sera porté sur le compte du tireur se calculera de la manière suivante. Il sera égal au montant nominal de la lettre de change, moins les commissions TTC, moins un escompte, c'est-à-dire un intérêt, prélevé par la banque. Cette fois-ci, ce sera l'ensemble des commissions TTC et de l'escompte qui porteront le nom d'Agio. Cette fois-ci, vous l'avez compris, en plus des commissions, la banque facturera un intérêt, que l'on appelle un escompte, puisqu'elle prête l'argent à son client. Cet intérêt se calculera de la manière suivante. Il sera égal à la valeur nominale de l'effet, qui est en fait le montant prêté, multiplié par un taux d'intérêt, qui est en fait un taux annuel d'escompte, multiplié par une fraction qui permet de calculer l'escompte pro rata temporis. Petit n représente le nombre de jours pendant lesquels la banque a avancé l'argent, c'est-à-dire la durée séparant la date de remise à l'escompte de la date d'échéance. Illustrons cette opération avec l'exemple suivant. Le 15 avril N, l'entreprise Forêt Noire apporte la lettre de change de son client Mobibois à l'escompte.
Elle reçoit le 20 avril l'avis de crédit de sa banque ci-dessous. Le taux annuel d'escompte s'élève à 7%. Alors, sur cet avis de crédit figure, comme tout à l'heure, le nominal, la date d'échéance, les commissions hors taxes et la TVA sur les commissions, mais apparaît en plus le montant de l'escompte. Ici, il va se calculer de la manière suivante. Le nominal, 3406, multiplié par le taux d'escompte, 7%, multiplié par petit n sur 360. Ici, la date de remise à l'escompte est le 15 avril, la date d'échéance est le 31 mai. Entre ces deux dates, nous avons 46 jours. Par conséquent, l'intérêt que prélèvera la banque pour rémunérer le service qu'elle accorde à son client en lui prêtant l'argent, cet intérêt s'élèvera à 30,46 €. Pour calculer le net de la remise, il nous suffira de prendre le nominal, moins les commissions hors taxes, moins la TVA, moins l'escompte. Nous obtenons alors 3 354,01 €. C'est ce montant-là que percevra le tireur sur son compte en banque. De son côté, le tiré Mobibois reçoit le 2 juin l'avis de débit ci-dessous. Eh bien, que le tireur opte pour la remise à l'encaissement ou pour la remise à l'escompte, rien ne change pour le tiré. Son compte sera débité du montant nominal de la lettre de change, ici 3 406 €. Enregistrons ces documents dans la comptabilité des deux parties, en commençant par la comptabilité du tireur Forêt-Noire. Comme tout à l'heure, avant la remise à l'escompte, la créance que détenait Forêt-Noire sur son client était enregistrée au débit du compte 413 client effet à recevoir. À partir du moment où la remise à l'escompte a lieu, ce compte est soldé et se retrouve donc au crédit et est remplacé par le compte 5114 effet à l'escompte dans l'attente de la réception de l'avis de crédit de la banque. Le jour où le fournisseur reçoit l'avis de crédit, dans notre exemple le 17 avril, il soldera cette fois-ci ce compte 5114 et constatera au débit le flux monétaire d'entrée, à savoir les 3 384,47 € qui rentrent sur son compte en banque. La différence entre le montant net et le montant nominal correspond aux commissions qui s'enregistreront toujours dans le compte 627 services bancaires, à la TVA sur commission qui s'enregistre toujours dans le compte 44 566 TVA sur autres biens et services, mais aussi cette fois-ci au montant des intérêts qui vont s'enregistrer dans le compte 661 charges d'intérêts. Si l'on regarde cette fois-ci la comptabilité du client Mobibois, eh bien pour lui, l'écriture sera la même que dans l'hypothèse d'une remise à l'encaissement. En effet, lui s'est engagé à payer à l'échéance et le choix du tireur d'atteindre ou non l'échéance lui est indifférent. Par conséquent, nous retrouvons l'écriture que nous avions enregistrée tout à l'heure dans notre premier cas, à savoir 403 fournisseurs effets à payer pour 3 406 € au débit et 512 banques pour le même montant au crédit. Par conséquent, pour une remise à l'escompte d'un effet de commerce, nous pouvons retenir que la créance du tireur passera successivement dans les comptes 411 clients, puis 413 clients effets à recevoir, puis 5114 effets à l'escompte, et enfin 512 banques sous déduction des agios, à savoir les commissions TTC et l'escompte. Chez le client, la dette passera successivement dans les comptes 401 fournisseurs, puis 403
fournisseurs et faits à payer, et enfin 512 banques. Il nous reste à traiter un dernier cas qui est celui de l'endossement. L'endossement est l'opération qui consiste pour le possesseur d'un effet de commerce à en changer le nom du bénéficiaire. Pour ce faire, il doit indiquer le nom du nouveau bénéficiaire au verso de l'effet de commerce et transmettre celui-ci au nouveau bénéficiaire. Ce dernier disposera alors à son tour de trois possibilités: attendre l'échéance pour remettre la lettre de change à l'encaissement, ou bien remettre la lettre de change à l'escompte, ou bien endosser la lettre de change au profit d'un nouveau tiers. En effet, plusieurs endossements successifs sont possibles, la seule limite étant l'arrivée de la date d'échéance. Illustrons ce cas de l'endossement avec l'exemple suivant. Le 1er avril N, l'entreprise Forêt Noire endosse la lettre de change tirée sur son client Mobibois, nominal 3 406 €, au profit de son propre fournisseur Boucheron. Nous pouvons alors schématiser l'opération de la manière suivante. Mobibois devait 3 406 € à l'entreprise Forêt Noire. Cette dette avait la forme d'une lettre de change. Elle était donc enregistrée pour le client Mobibois dans le compte 403 fournisseur effet à payer et dans le compte 413 client effet à recevoir dans la comptabilité de Forêt Noire. De son côté, Forêt Noire dispose d'une dette d'au minimum 3 406 €. Sur son fournisseur Boucheron. Forêt Noire est en possession de la lettre de change, il peut alors l'endosser au profit de Boucheron. Quels seront les effets de l'endossement? Eh bien, la somme prélevée sur le compte en banque de Mobibois servira à payer directement le fournisseur Boucheron. Quels seront donc les conséquences de cet endossement pour la comptabilité de Forêt Noire? Eh bien, tout d'abord, la créance qu'avait Forêt Noire sur son client Mobibois disparaît. Celle-ci était enregistrée au débit du compte 413 une fois la lettre de change reçue et acceptée. Par conséquent, si cette créance disparaît, nous allons créditer le compte 413 pour le montant nominal. Deuxième conséquence de cet endossement, la dette qu'avait Forêt Noire sur son fournisseur Boucheron diminue du montant nominal de la lettre de change. Cette dette, classique, était enregistrée au crédit du compte 401. Par conséquent, nous allons diminuer cette dette en débitant ce compte pour 3 406 €. Voyons maintenant quelle est la conséquence de cette opération dans la comptabilité de l'entreprise Mobibois. Voyons quelle est la conséquence pour le nouveau bénéficiaire, Boucheron. Eh bien, Boucheron disposait dans un premier temps, d'une créance sur son client Forêt Noire. Cette créance était dans le compte 411 clients, puisque c'était une créance classique. Par conséquent, puisque cette créance classique diminue, nous allons créditer le compte 411 pour 3 406 €. D'autre part, il apparaît pour Boucheron une créance sur le client Mobibois, créance matérialisée cette fois-ci par une lettre de change. Par conséquent, elle va s'enregistrer dans le compte 413 client effet à recevoir. Pour être tout à fait complet, regardons la comptabilité du tiré Mobibois. Pour Mobibois, rien ne change,
puisque lui n'est même pas au courant que Forêt Noire a endossé la lettre de change au profit de Boucheron. Par conséquent, il doit toujours la même somme à la même date. Le bénéficiaire, certes, a changé, mais il ne le sait même pas.